On reste dans le Guayabindo où plus de 98 km restent bitumés sur le tronçon au vent Makoku. La route prend forme au fil des jours, mais l'avancement des travaux n'épargne pas les routiers d'un éventuel accident. Et bien, c'est le cas de ce grumier qui s'est renversé sur cet axe. Retrouvons Francis Ngomo et Eric Ndiengimbadinga. Tous les automobilistes et passagers se rendant à Makoku l'ont remarqué. La route avance. Les deux entreprises chinoises commises à la tâche sur l'axe Ovan-Makoku pourraient s'approprier ce slogan « On ne crierait pas à l'usurpation ». Un travail de fourmi y est abattu pour permettre un accès plus rapide à la capitale ogivine. On ne roule pas encore sur du bitume, mais c'est tout comme. La route en elle-même est une œuvre d'art qui permet d'apprécier la merveilleuse beauté de nos vallées. Cependant, la prudence est de mise, car un accident est vite arrivé, comme avec ce camion grumier qui venait à peine de dégringoler la pente quelques minutes avant notre arrivée sur les lieux. Le chauffeur en a été quitte pour un grand stress. Il s'est isolé pour se remettre de ses émotions. En tout cas, quelque part en bas, l'émotion, le choc, énorme choc. D'après lui, il a bon été mal négocié la colline et il n'avait pas de frein. D'après lui, d'après ce qu'il avait à dire, il n'avait pas de frein. C'est après maintenant, bon, vers au 10 avril, c'est vrai qu'il n'avait plus de garniture. Donc quand il est venu là, bon, les freins ont lâché, il a fait marche rien. On vient à Makoku. Et comme il a monté au colis, comme tu as vu le colis là, après comme il a changé une vitesse là, ça a reculé derrière. Non, moi je suis devant, je suis devant. Mais comme il a entendu le bruit, je suis reculé pour voir le problème. Mais comment? C'est un bruit, un grand bruit? Ouais, c'est un grand bruit. Ben, tu sais, toi-même, tu vois le truc, ça va faire un petit bruit. Au-delà des défaillances mécaniques, une bonne route donne toujours des ailes au conducteur. Mais comme le dit le proverbe, si l'excès de vitesse était puni de la fusillade et l'alcool au volant de la pendaison, il y aurait peut-être moins de morts.